vous présente dans les prochaines minutes. C'est quoi notre intention de notre espace créatif virtuel? Puis pour la première question, donc on part ça comment? Ben, c'est quoi un lab créatif? Oui, merci Pierre. Un laboratoire créatif pour nous autres, là, c'est un espace dans lequel on va se baser sur la résolution de problèmes. Les problèmes peuvent être très divers. On a entendu parler là, dans la présentation des intérêts des gens là, tout à l'heure. C'est sûr qu'également dans le laboratoire créatif, oui, il y a du matériel normalement physique. Là, ici, notre espace va être virtuel, donc oui, il existe du matériel qu'on va pouvoir utiliser, mais il y a également, puis on le voit là, présentement à l'écran, il y a les ressources également des collaborateurs. Donc, c'est très utile d'avoir des collaborateurs pour résoudre un problème. Puis aussi, ce qui est important, puis quelques mots à côté de mon visage le disent, l'erreur fait partie intégrante du laboratoire créatif. C'est important d'apprécier l'erreur, pas la négliger, puis essayer de l'éviter. Il faut la faire parce que ça fait partie d'un apprentissage qui est important au niveau du laboratoire créatif. Donc, merci. À qui s'adresse notre espace créatif virtuel? Cet espace s'adresse évidemment aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux techniciens en travaux pratiques, aux stagiaires aussi, et à tous les intervenants finalement là, qui ont à travailler avec les élèves. Et puis, on pense peut-être même éventuellement nous adresser directement à des élèves, à des classes qui sont aussi des élèves qui sont aussi à la maison. Nous, on vise tous les niveaux, donc primaire, secondaire et aussi la FGA. Et pas seulement les maths-sciences, on aimerait aussi avoir des gens qui viennent de d'autres domaines, par exemple les arts pour la créativité, mais ça peut être aussi en langue, en univers social, bon, d'autres disciplines. Et puis, si vous avez des projets qui dépassent notre expertise, nous, on va essayer d'aller chercher la perle rare là, pour vous accompagner. Donc, on est ouvert vraiment à tous les projets, puis même ceux qui veulent se composer un petit vaccin maison. On pourra peut-être essayer de trouver une personne, ressource. Et voilà. Il y en a, oui. Donc, plein de sujets possibles. Ça serait quoi les sujets, par exemple, qu'on pourrait toucher? C'est sûr, on en a discuté. Ça aurait été facile pour nous, là, au niveau du récit MST, de dire, ben voici les sujets qu'on va traiter. On donne, puis aujourd'hui, c'est ça le sujet qu'on va traiter. Mais ça s'en va à l'encontre de la philosophie un petit peu là, du laboratoire créatif. On veut absolument que lorsqu'on va faire nos rencontres, les sujets soient déterminés par les participants. C'est quoi leur intérêt? Pourquoi ils viennent participer ce matin? C'est quoi le problème qu'ils viennent présenter à l'ensemble du groupe? Puis, dans quel problème qu'ils veulent être épaulés? Donc, à la base, c'est vraiment tous les sujets vont être admis, mais il faut que ça parte vraiment des participants. C'est sûr, ça peut être un développement de projet. On a parlé tout à l'heure. Ça peut être aider quelqu'un pour la réalisation d'un laboratoire puis qui amène l'utilisation, si on veut, des technologies. Également, ben, ça peut être l'acquisition de nouvelles compétences parce que les personnes veulent vivre un projet, puis supposons, ils disent, ben moi, Microbit, je ne le connais pas, j'aimerais ça être accompagné au départ d'un Microbit, donc c'est quelque chose qui va pouvoir être possible également. On va aller aussi voir, là, pour peut-être ouvrir. Il y a certains enseignants qui ne se sentiront peut-être pas à l'aise actuellement de vivre des activités de laboratoire créatif avec leurs élèves. Donc, ils voudraient être accompagnés. Donc, on pourra créer probablement une salle dans laquelle on va venir avoir les élèves et les enseignants en même temps, puis on va pouvoir les accompagner justement là, dans le développement ou la réalisation du projet qu'ils vont faire en classe. Donc, pas mal de choses possibles. Ça va ressembler à quoi nos rencontres qu'on va avoir ensemble? Bien sûr, au début, il y a l'accueil des participants. Il pourra même y avoir un retour sur ce qui a été fait durant la semaine précédente, puis tout au long de la semaine aussi. On va aussi établir la liste des intérêts de chacun. Ça peut être des intérêts liés aux travaux précédents, mais liés aussi à des nouveautés. On va ensuite répartir en ce groupe de travail les personnes qui ont des intérêts communs, puis revenir en grand groupe pour présenter l'avancement des travaux. Là. Bien sûr, il va y avoir de la souplesse dans tout ça parce que si on décide de s'attacher à un sous-groupe, on peut décider de changer de sous-groupe pour travailler sur plusieurs choses en même temps sans problème. Puis pour faire tout ça, là, donc là, parler de sujets, des sous-groupes, garder des traces, etc., on va utiliser quoi comme outil dans notre ECV?
Alors, c'est à mon tour. On a décidé, dans le fond, de prendre l'idée des quatre coins, un peu comme l'espace qu'on a dans une classe où on peut faire des coins thématiques. Alors, notre premier coin, ce sera l'utilisation de Zoom. Effectivement, on va avoir toujours le même lien, donc ça va être une bonne façon de conserver les traces et de pouvoir joindre à nous. Pour nous, Zoom, c'est une nouvelle plateforme un peu. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petites choses qu'on essaie de mettre en place et qu'on s'approprie aussi la plateforme. Deuxième chose, on va avoir dans le fond un Google Drive avec des fichiers donc, qui seront conservés. C'est pour ça que dans la liste de présence, on vous demandait si vous avez une adresse Gmail pour vous partager dans le fond ce dossier-là. Notre troisième coin, ça va être le site du laboratoire créatif du Récit MST qui est là depuis longtemps. Mais qui était peut-être un peu sous-utilisé. Alors là, il s'est refait une beauté avec les travaux qu'on avait faits ces deux dernières années dans les chantiers. Et on va pouvoir mettre donc de la nouvelle information, des nouvelles ressources. Et notre dernier coin, ça va être le groupe Facebook qu'on s'est créé, qui s'appelle Espace créatif virtuel, où on vous invite à faire une demande d'adhésion. On vous pose deux petites questions, votre nom, votre rôle et le nom de votre institution. Alors, l'idée, ça va être de déposer, un peu comme Stéphanie disait, au cours de la semaine, pas nécessairement le mercredi, au cours de la semaine, si vous avez des questions, déposer des travaux, n'importe, ça sera un de nos coins de communication. Merci. On est là aujourd'hui au lancement, 4 novembre. On se revoit quand pour travailler ensemble? Bon, on va avoir des rencontres fixes comme celle-là en visioconférence tous les mercredis de 9h à 11h30. C'est sûr que vos présences peuvent être ponctuelles parce qu'on sait que les disponibilités ne sont pas toujours évidentes pour tout le monde. Il peut y avoir des nouveaux participants aussi qui s'ajoutent sans problème, mais c'est vraiment les moments de nos rencontres fixes. On souhaite que les travaux, les partages, les discussions se poursuivent à travers nos différents éléments, là, que ce soit le document collaboratif, que ce soit le groupe Facebook qui va aussi servir à ça. Là, on peut, à cet endroit-là, poser des questions, faire des partages, puis alimenter des discussions. Puis encore une fois, ben, on a de la souplesse, c'est-à-dire que si on a des besoins de se rencontrer à d'autres moments que le mercredi matin, il y a possibilité d'établir des rencontres là, dans un calendrier commun. Donc, on espère que le projet d'espace créatif virtuel est un peu plus clair après les explications. Si vous avez des questions, on va les prendre. Mais il y a une chose qui est importante. On a pensé à quelque chose et il va sûrement changer selon les participants. Donc, vous avez déjà mis une couleur tantôt dans les prochaines fois qu'on se rencontre. Donc, on va s'ajuster à ça. C'est un espace créatif, donc on peut même créer, c'est l'espace, la défaire, la refaire. Donc, elle va s'ajuster. Donc, merci beaucoup, chers collègues.